Hello tout le monde, ici Gamers King pour ce nouvel épisode de notre Let's Play sur Kingdom Hearts Dream Drop Distance. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va super comme d'habitude entre les épisodes. J'ai été surpris quand j'ai vu ça. J'ai eu trophée. Ce trophée là. Avec Riku, j'ai fait énormément de fois sa transition. Puis je l'ai eu en A, mais par contre avec Riku, Sora je n'ai pas pu, donc j'ai dû redémarrer. Mais j'ai dû recommencer Riku parce que j'avais oublié de sauvegarder. C'est très fort. Bref, donc c'est ça, mais on va aller faire la partie de Riku. On se souvient dans le dernier épisode que la partie de Sora. C'est ça que j'ai dit, non j'ai dit Riku, mais pas grave, on va dire qu'on a dit Sora. Voilà, on a commencé la partie de Sora, mais il y a eu un passage forcé, il s'est endormi devant une porte, il me semble, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises. Et puis on a eu des trucs comme des trucs que Zigbar disait, je vais vous montrer les fusions de compétences. Disait que ce n'était pas un rêve, il les a menés ici, mais c'est pourquoi on ne le sait pas vraiment encore. Et j'ai eu dernière sens, ce qui va être super pratique. Voilà, il dit oui, on t'a emmené ici, on a réussi à te manipuler pour te rendre à Illusiopolis. Donc c'est pourquoi faire, on ne sait pas. Donc c'est ça. Puis, bon, mes avalrêves sont bien gentils, mais je pense en enlever un ou pas, je sais pas encore. Mais bon, on va faire un petit passage, donc on va rester ici, on va pas retourner dans la phase de passage, de transition. Donc on fait ça, on va aller avec Sora, tout simplement. Donc c'est parti. On a 504 points à dépenser. Donc on se fout des ralentisseurs, je pense. Quelques gains d'attaque. Peut-être au maximum les gains d'attaque. Je pense qu'on peut... Non, peut-être pas au max tout. Peut-être plus la défense que je prendrais. Peut-être ça, oui. Turbo fluidité. Ok, accélérateur de fusion, bof. Pour hybride. Celle-là, allez. Et puis celle-là. Donc voilà, il reste 24, est-ce que je peux, non je peux plus trop, pas grave, on confirme, on prend 24 minis et on retourne avec Sora. Je pense qu'il y a une cinématique vu que j'ai fait l'erreur d'y retourner. Huh? Am I back? Wait, Your Majesty, Donald, Goofy! Huh? Naminé, is that you? Wait, Naminé! I've got a message for you. I meant to tell you once this was all over. Huh? Who are you? Why am I... Well, hey, wait! You gotta wake up! Altération du réel, bon, le bris cauchemar, on l'a eu. Puis on a vu, c'est assez bizarre, Naminé, puis on avait les vêtements de case 2, donc les vêtements de base du monde réel. On a vu Naminé qui s'est changé en Sion. Sion, pour ceux qui ne se connaissent pas, je ne l'ai pas vraiment continué, mais c'est sur 358 sur The Days. C'est la meuf, ben, vous l'avez vu, je pense. Puis, Sora a commencé à pleurer en la voyant. Ça doit être Roxas qui commence à pleurer en dedans de lui parce qu'il se souvient encore un peu. Bon, c'est assez bizarre parce que théoriquement, il se souvient plus de Sion à la fin de
358 sur 2 days si je ne dis pas de conneries. Voilà. Puis c'est ça. Bon, c'est la même chose que Riku. Mais avant, je vais sûrement faire une ellipse s'il y a un point de sauvegarde. Et oui, on revient avec nos vêtements de casse DDD. Mais avant, toute chose, je vais sauvegarder. Pas ici. Je vais sauvegarder dans la première sauvegarde. Et je vais aller faire la transition avec Sora parce que je ne l'ai pas eu en rang A. Donc, ça va nous donner la nouvelle Keyblade. Donc, je vais vous laisser. Bon, voilà, on peut refaire les transitions comme ça à l'infini. Donc, c'est vraiment cool. Donc, je vais la refaire en ellipse. Puis, on se retrouve après. J'espère pas que ça soit plus long qu'avec Riku. Riku, j'ai fait 50 essais. Donc, c'est parti. Ellipse. Voilà, on a eu le Picard. Voilà, on a l'aile de piqué. Bon, c'était plus simple qu'avec Riku. Avec Riku, j'ai recommencé plein de fois. Celle-là, j'ai juste fait une mini ellipse. Donc, c'est parti. On peut commencer enfin. Bon, ça va aller. C'est plus simple, les boss, je crois, dans ces trucs de piqué que les ramasser des prix, par exemple. Mais je me demande pourquoi on est sûrement de retour dans le monde réel. C'est pour ça qu'on a... je vais sûrement modifier le groupe. C'est pour ça qu'on a eu les vêtements de case 2, mais je comprends pas trop. Donc, vraiment, ça me laisse... Pardonnez-moi, je bafouille. Je me demande qu'est-ce qui va se passer. Je vais mettre Miaou ZC parce que dans mes souvenirs, il y a beaucoup de boosters, si je ne me trompe pas. Bof, a été seul. C'est beaucoup de ces accélérateurs. C'est ouais, accélérateur de mana, booster, tout ça. Écran lumineux, qu'est-ce que je vais prendre? Ça, c'est Pétale Garde, je pense. Donc, dernière force, mais on s'en fout. On l'a déjà. Bon, il y a beaucoup de boosters, il me semble. Donc, pour ça que je prends. Puis, de toute façon, Sera, je pense pas que j'en avais besoin encore pour longtemps. Je vais essayer de ramasser le plus possible les coffres. Parce que je sais pas si c'est vraiment la dernière fois qu'on pourrait revisiter ça avec Sera. Donc, on fera attention pour les coffres. Puis avec Riku, c'est pas grave, je vais sûrement retourner dans entre cet épisode et le prochain. Je pense que c'est l'avant-dernier. Ça pourrait être l'avant-dernier si je me traîne pas trop. Je pense pas. Ballon. Un petit soin. Un petit fusil au sud. Voilà. Ah merde. Ah, c'est quand même fort. Mes attaques sont quand même assez puissantes. Comme Aquilon surtout. Aquilon, c'est tellement une attaque puissante, mais c'est fou. Bref. Je me demande pourquoi on a vu Namine et Sion, vraiment. Je sais pas si on va voir d'autres persos. Je sais pas. Ventus. Parce que Ventus, quand même, il est relié au cœur de Sora. Ventus en BBS. Peut-être qu'on va le revoir, qui sait. Mais je pense qu'on va le revoir, on l'a vu dans l'intro, donc ça m'étonnerait même pas. Voyez-vous? Oula! Ça me propulse. Comme ça, est-ce que je peux monter? Est-ce qu'il y a un truc intéressant là-haut? On dirait. Si tu me dis qu'il y a des coffres là-haut, je me... Allez, ballon. Mais c'est pas réussi. Aquilon. Allez, un petit Aquilon. Il me brise tout. Mais vraiment, il me brise tout. Ce mob, c'est horrible. Cet Avalrive. Bon, c'est pas bien grave. C'est sûr que je vais essayer de me concentrer beaucoup sur les coffres. Mais bon, c'est pas bien grave si j'en rate. De toute façon, on a le trophée pour... tous les trophées pour avoir la fin secrète, donc ça va. Au pire, c'est pas bien grave si on n'a pas tous les trésors. Moi, je trouve pas, perso. Je vais essayer de les ramasser parce que ça va être quand même cool, mais bon. Allez, ici. Putain. Allez, oui, parfait. C'est quand même pas tellement facile avec les esprits qui... les esprits... C'est les esprits qui donnent tes compétences à comparer de
BBS ou que c'était des mixages. Mais arrête de me bouffer, débile. Plus au sud, dégage. Un petit soin. Arrêtez. Arrêtez. Calmez-vous. Calmez-vous. Je sais pas si c'est en fait la même altération. La même altération du réel que Riku. Je sais pas. Ouais, je voulais faire Sora parce qu'on me dit beaucoup de finir avec, avec Sora. Donc bon. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de commencer avec Sora. Je sais pas si c'est lui qui a le boss le plus difficile. J'espère pas. Il y a un coffre là-bas. Un gros coffre en plus, comme qu'on les aime. Et c'est quoi? Recette de dragonnet. Ça doit être celui qu'on bat comme lui. Brison. Ballon. J'ai pas gravité par contre avec Sora. Mais je pense pas le mettre non plus. Allez. Parfait. Allez, viens-t'en, non, mais enfuis-toi pas. Oh, oh là là. Toi, je t'ai vu. Désolé si je parlais pas trop, j'étais un petit peu... Non, pas ça. Oh, j'étais un petit peu perturbé par le combat. Je sais pas pourquoi. Bref, merci. Vous êtes mort. Oh. Désolé si ça fait beaucoup de trucs d'XP. Vu qu'on approche de la fin, j'ai toujours peur d'être en manque. Vous savez, ma peur de recommencer un petit peu comme à la manière de FF10. Je sais pas si j'en ai parlé, mais j'ai tellement recommencé le boss final, ça m'avait fait raser. C'est ça que j'avais pas de difficulté la première fois que j'ai battu. Ma vie est très palpitante. Je vous le dis. Je vous l'assure. Mais bon. Je sais pas si on peut avoir d'autres styles de vol. Je pense que oui, il y a un super vol plané, mais je suis pas sûr. Est-ce que lui, je peux le détruire? Non, on dirait pas. Donc on peut monter comme ça. Oui, ok, bon. Ça va. Allez. C'est par là. Comment je suis curieux, donc je vais aller voir les rapports. Trésor. Sora. Oh, j'en ai manqué quelques-uns au début. Bon. Je sais que c'est pas grave les trésors, mais je sais pas. Trésor égale money money égale YouTube money, tout ça, vous comprenez? Ça risque de vous saouler que j'aille toujours dans les menus, donc je me calme. Un trésor! C'est quoi qu'il y a dedans? Eh non! Oh! C'est tombé! C'est cool ma vie! Allez, monte! Parfait! Mais allez-vous-en! Je veux pas tomber encore! S'il vous plaît! Bon, bouclier biscuit de la merde! Mais carrément! Allez, un petit ballon! Ballon X, ça va peut-être être utile devant le boss. Mais je sais pas, le boss c'est. Qui avec Sora? Parce qu'il parle beaucoup de Xehanort. Est-ce qu'on va combattre Xehanort dans ce cas? J'en doute. J'en doute parce que... On va sûrement le combattre dans Chaos 3. En tout cas, c'est ça que je pense. Vu que c'est quand même le grand méchant des jeux... en guillemets, le grand méchant de la saga Kingdom Hearts depuis le 1. Oui, dans le 1, c'était Ansem, mais il s'appelait Xehanort. On l'a pris dans le 2, il me semble. Et dans BB... Pas dans BBS, dans le 2. Oh, je m'en fous de vous. Dégagez. Oh. Vous me saoulez. Oh. On va éviter de m'attarder sur les coffres. Ça peut... Bon. Le mec recommence du début, évidemment. Quoi? Continue. Bon, ok. Notre objectif, c'est de continuer. Et on va aller par là.
Bon, j'ai un petit peu foiré. Je suis retourné sur mes pas. C'est ça quand on se perd. Allez. J'espère pas recombattre comment ça s'appelle? Des Avalrai, voilà. Le mec qui arrive plus à prononcer les noms. C'est quand même cool de retourner dans la... dans Illusiopolis. C'est vraiment cool, je trouve. Revisiter ce monde. Je sais pas, je l'aimais bien dans Kazu personnellement. Puis dans 358 sur 2 Days, bon, c'est pas visitable, donc on s'en fout un petit peu de 358 sur 2 Days. Ah non, je peux pas passer. Ok, je monte par là. Oh, eux, je les ignore, sérieux. Ici, il n'y a pas, non. Donc, on peut passer ou pas? Mais on peut pas? Oh oui, on peut. Il y avait vraiment un passage pour passer. Oh, ok, c'est fourbe. C'est quand même fourbe. Oh, des lapins magiques! Allez, je crois qu'en anglais, leur nom, c'est vraiment lapin magique. C'est vraiment drôle. Allez, Aquilon. Ah, oh, Aquilon, c'est tellement puissant. J'adore trop Aquilon. Ah, oh, merde, j'ai pas réussi. Il dégage. Fusio, chute. Bref, on a quand même des attaques qui claquent, je trouve. Je trouve, ouais, allez. Parfait. Là, je vais juste me... un petit peu me soigner. Je crois que j'ai deux soins. Il faut vraiment que je check ça. Je crois que oui, oui. Bref, ils sont pas aux extrémités, mais j'ai tellement l'impression d'avoir qu'un soin parfois, genre, je sais pas. Ça, c'est quoi? Portail de combat. Ça ne m'intéresse pas. Puis de toute façon, on est à la fin du jeu. Rêve sucré, je sais vraiment pas c'est quoi cette capacité. Je vais mettre checké. Bref, c'est pas trop grave. Je me demande si on aura une zone de passage pendant les boss, parce que sinon, ça va être horrible. Il faudrait qu'on s'équipe d'une... comment ça s'appelle? D'un réveil, ce serait horrible. Donc il faudrait vraiment faire attention à ça si on a ça pendant les boss. Ah, ça serait troublant. Allez. Bon, mais c'est quand même assez simple les Avalrai. J'ai toujours tendance à dire sans cœur, ça me trouble. Non, les Avalrai sont quand même assez simples à battre dans ce monde. J'ai quand même de bonnes capacités, tout ça, donc... on est pépère, donc c'est parti, on continue. On va suivre la trace en quelque sorte de Mickey, Donald et Dingo, j'ai l'impression. Come on, wait up. Who are you? Je m'en doutais qu'on l'aurait vu. Roxas, how can you be here? Am I dreaming? Come on, say something. This could have been the other way around, huh? But it really has to be you. What do you mean? There are so many hearts that are connected to yours. You're me, so you can feel what I felt. No. Roxas, you're you. We're not the same. I wanted to tell you that. That you deserve as much as I do to be your own person. Sora, see? That's why it has to be you. Ah.
Not again. Did they cause all this pain? What do you want me to see? Sora, don't chase the dreams. They'll lead you nowhere. Just to an abyss you'll never be able to wake up from. Wow, ça fait grave plaisir de revoir Roxas. C'est pas, ça m'a vraiment ému. Sans surexagérer, ça m'a vraiment ému de revoir Roxas, tout ça. Puis on a revu des souvenirs de Roxas. Il dit que tant de cœurs sont liés à Sora. Donc il y a, je pense, arrête de me pousser toi. Je pense que Vent, Sion, peut-être Namine, je suis pas sûr. Qui Oh, Roxas, évidemment. Roxas dit que ça aurait pu être l'inverse, tout ça, c'est vrai. Je sais pas, c'était vraiment cool. Est-ce qu'on va voir Ventus? Qui sait? Vu qu'il est aussi relié à la fin de BBS, on le voit relié au cœur de Sora. Même au début, je crois, il monte un peu. Mais je suis plus trop sûr. Des immeubles qui montent. C'est vraiment what the fuck comme zone, sérieux. Bref. Je me demande qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que c'est une altération? Oui. Parfait, comme ça. Comme ça. Voilà. Bon, c'est assez simple de le faire. Puis je trouve ça quand même méga classe encore. Quand même simple. J'ai beaucoup foiré avec Riku, il me semble. La dernière fois. Puis on se rapproche vraiment de la fin, mais je sais pas encore quand je vous ferai 0.2. Voilà, c'est averti. Je ne sais pas encore. Peut-être dans quelques mois, peut-être moins, peut-être plus. Qui sait? On verra. Peut-être dans un an. Peut-être avant Chaos 2. Vu que c'est un jeu assez court. Je pense 4 épisodes puis on a terminé. Bon. J'ai vu des vidéos seulement dessus, donc comme d'habitude, ça va pas être compliqué. Puis je pense que le gameplay est très similaire au CAS de base, donc le 1 et le 2. C'est quand même une démo du de CAS 3 en quelque sorte. En tout cas, moi je le compare comme ça. Donc si c'est pas le cas, excusez-moi, mais c'est une démo technique, on peut le dire. Voilà, niveau 43. Riku, je crois qu'il est plus haut niveau, mais bon, c'est pas bien grave. Je pourrais le voir dans le menu, je crois, quel niveau qu'il est. Je crois. On va voir. Niveau 52, oui. Il est vraiment plus haut niveau, mais je pense qu'on est un bon niveau. Je pense. Évidemment, c'est que des suppositions. Bref, encore des petites altérations du réel. Pour briser les immeubles. Mais bon, c'est assez simple. Je pense finir la partie de Sora aujourd'hui, mais j'en suis pas sûr. Ça dépend combien de temps que ça me prend. Ça risque d'être un long épisode. Un gros épisode. Donc, c'est ça. Donc, préparez-vous le popcorn, tout ça, tout ça. Je sais pas ce que tu fais, je vois rien. Ballon, il est où? Voilà, ici, parfait. Allez. Bon, Aquilon, je l'adore. Il est moins ça que dans Chaos 1, je trouve. Mais bon, je l'adore. Physio, shoot. Un petit coffre, je t'ai vu, toi. Alors, vous dégagez. Mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, Massé, oui. Oh, fais attention. Dégagez. Brisons, est-ce que ça va être efficace?
Parfait. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien d'intéressant, donc on doit aller là-bas. Sur part le soin, oui, évidemment. Il y a que dalle là? Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de coffre. Malheureusement. Mais bon. Oh. Lui m'inspire pas de confiance. Allez. Par là. Bon, je sais pas que ça va faire quand vu qu'ils ont fait l'altération du réel. Ça va faire mal au... Oh, ça fait quand même mal aux ennemis. Ok. Allez, ballon. Parfait. Bon, c'est quand même... Non, c'est pas tellement difficile. Bon, on est quand même de bon niveau, je pense. Mais le boss pense que je vais galérer vu qu'il se dit ça. Ça m'étonnerait même pas. Allez. Voilà. Je me demande si... Ben, les process, ça doit être Ventus, je crois. Si je me trompe pas. Dans mes conneries. Eh bien. Immeuble. À la con. Je te vois. Parfait. Bon. C'est trop simple. Mais bon. Non, je trouve ça toujours trop classe. Mais vraiment, je suis vraiment curieux de voir qu'est-ce que Xehanort disait qui, en fait, se servait de nous en quelque sorte. Donc, comment dire, qui nous a manipulé pour nous rendre ici, c'est pourquoi pour... Je sais vraiment pas, je me demande. Je me doute peut-être un peu, mais pas énormément. Donc, j'ai hâte de savoir. Ça pourrait être intéressant. Merde, j'ai tellement foiré. Fusion sup. Un petit soin. Dans ma gueule, comme d'habitude. Allez, crève, s'il te plaît. Merci. En plus, je peux faire des fusions. Est-ce qu'on fait une fusion? Allez, fusion. Je peux pas. Pourquoi? Bon, je me suis trompé de fusion, mais pas grave. Je vais faire une fusion double, mais ça n'a pas fonctionné. Il m'a gelé. Dégage. Je vais peut-être prendre un... Oh, j'ai pas remarqué que ma zone de passage a quand même augmenté. Mais bon, je vais sûrement le utiliser une petite... comment ça s'appelle? Je vais sûrement utiliser une petite... un petit réveil. Si je sors du combat. Parfait. Jeu de commande, modifier, tout ça, tout ça. Fusion chute contre le petit réveil. J'en ai quand même assez au mug pour en avoir assez pour jusqu'à la fin du jeu. D'ailleurs, j'ai pas pensé à faire un trophée de faire tous les mugs depuis le début, mais bon, c'est pas bien grave. C'est un trophée PS4, vous allez dire PS3, mais non, PS4. Il n'est pas obligatoire, c'est un trophée PS4, oui, pas du jeu. Là, on va voir, je vous garantis, Ventus, je pense, ici. Non? Oui? Non. Ok, il y a un point de sauvegarde ici. J'ai pas envie de m'arrêter vraiment, j'ai envie de continuer. Donc, on sauvegarde. J'ai tellement l'impression qu'on est retourné sur nos pas, mais je pense pas. Ça serait un petit peu bizarre, non? Bon, il y a un mug si on veut s'acheter des trucs, mais bon. On n'a pas de besoin. Et oh, on voit Kairi et Riku en fait. Riku, Kairi, I found you. Bah non. Ven. Ven.
What is going on? Sora, you've got to wake up. Sora! Whoopsie daisy. Wasn't easy putting you into a second sleep, and he almost woke you up. So then, all that stuff I just saw, did you put that in my head? No. That wasn't stuff. It was a dream. The falling asleep part was definitely our bad. But we can't put stuff in your head. Hey, I got an idea. Ask your heart. See if it's got a clue. Well, my heart was aching. That's why I kept going. Oh, thank you, Sora's heart, for pushing him right into our clutches. Aren't hearts great? Steer us wrong every time. You know, right? Because you all have hearts. Axel and Roxas. And Naminé, and that other girl. I felt what Roxas felt. And they laughed together, got mad, and they grieved. You have to have a heart to cry. It's about time you noticed. Indeed. A heart is never lost for good. There may have been variances in our dispositions, but a number of us unquestionably showed signs of a burgeoning replacement. Once born, the heart can also be nurtured. Our experiments creating Heartless were attempts to control the mind and convince it to renounce its sense of self. But understand, one can banish the heart from the body, but the body will try to replace it the first chance it gets, for as many times as it takes. And so I knew, even after we were divided into Heartless and Nobodies, it was just a temporary separation. Why then? Why did you lie to them and tell them they had no hearts? Xemnas and Xehanort formed the organization for a specific reason. Round up a bunch of empty husks, hook them up to Kingdom Hearts, then fill them all with the exact same heart and mind. Translation? They were gonna turn all the members into Xehanort. Make more Xehanorts? You tricked your friends to... But you... Aren't you scared of just turning into someone else? Me? I'm already half Xehanort. That's nuts! However, through weakness of body,
weakness of will. Or weakness of trust. Most of the original members we had chosen for the organization were inadequate. Thus, naturally, they never had a chance to attain their goal. Yet, even this was to be expected. We have learned of the Heart's folly, and we have achieved our other goals. This last excursion has proven to be a worthy closing assignment for the organization. Just stop it! You treat people's hearts like bottles on a shelf, but they're not! Hearts are made of the people we meet, and how we feel about them. They're what ties us together even when we're apart. They're what make me strong. Duh. You're strong because of the ties you have with other people. As if the Keyblade would choose a wimp like you. But no pouting. We see much bigger and better things in your future. Once you side with us. I know the Keyblade didn't choose me. And I don't care. I'm proud to be a small part of something bigger. The people it did choose. My friends, they are my power! Those are just words. You've lost. Fine. See where your power gets you here. Xemnas! He's all yours! Ok, combat final, je pense. Des heures. Combat final avec Sora. Il y a eu beaucoup de révélations. Je sais pas si je devrais toutes vous les résumer maintenant. Parce que j'aurais peur d'en oublier. Mais l'organisation veut faire. Oups, fais attention. L'organisation, en fait, veut faire plein de Xehanort pour leur. Pour tout simplement. Il y a quand même beaucoup de vie, de rien. Pour tout simplement créer une nouvelle organisation. Mais en fait, je vais essayer de résumer ça en bref. En plus, j'ai mon nez qui gratouille. Non, pas par là, je suis con. Il a pas l'air tellement difficile. Bon, je dis ça, je vais crever, c'est ça. Voilà. Lâche-moi trip. Dégage. Voilà. Ouais, c'est ça. Il veut créer une nouvelle organisation avec tout simplement des Xehanort. Donc, je me demande pourquoi ils ont besoin de Sora. Peut-être qu'ils veulent en faire un Xehanort avec lui. Puis on a appris que Zigbar était en partie un Xehanort. Donc, c'est assez what the fuck comme femme, mais vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Là, on se soigne un peu. Ok, c'est la même chose. Hop. Fais attention. Si, un petit soin, t'es où? T'es la base Xehanort? Ouais. Ah, je peux pas le faire à distance, à part ça. Ou pas? Oui, je peux. Qu'est-ce qui se passe? Mais par contre, je peux pas faire l'altération du réel avec... Ah oui, ça, oui. Par contre... Oui, altération du réel. Bon, c'est un petit peu what the fuck comme fin. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec Sora. Est-ce qu'il va devenir un nouveau réceptacle pour accueillir Xehanort? Je penserais pas, vu qu'on le voit dans KS3. Ça serait un petit peu bizarre.
Bon, je me demande vraiment qu'est-ce qui va se passer. Vraiment, c'est un casque, ce que n'est pas du tout, vous le savez. Donc, c'est vraiment... On m'avait vraiment dit que c'était what the fuck comme casque, donc... Non. Allez, Aquilon. Ça va, il est pas tellement difficile, je trouve. Non. Oui, il se dit qu'il est pas difficile, puis il décide de... Pourquoi j'ai pas résisté à son combo? J'essaye. Puis je crève comme une merde. J'espère pas qu'il y a beaucoup de phase. Ça serait un petit peu triste. Ça serait un petit peu difficile, puis long. Mais bon, on verra. Bref, j'ai sûrement oublié beaucoup d'éléments. Je vais sûrement vous l'expliquer plus tard. Ah merde, trop de soins, il est là. Allez. Et puis là, je vais faire attention pour quand que je vais faire des fusions de compétences. Des fusions de compétences, non, pas ça. Voilà. Flash ma trip. Je vais faire un ballon aussi. Voilà. Ça va. Mais le début est facile, mais après, c'est vraiment qu'il faut que je me concentre. Parfait. Bah, c'est cool parce que les soins, au moins, ils ne les brisent pas comme certaines attaques. Je sais pas si mes attaques sont vraiment un petit pour le battre. J'espère en tout cas. Allez. Altération. Oh, c'est un petit peu. Je sais pas, lag. Altération, non. Fusion. Voilà. Je me demande combien qu'il y a de phases. Je pense. C'est sûr que c'est pas la dernière. C'est totalement sûr. Allez, par là. Allez, plasma trip, je sais pas qu'est-ce que ça fait. C'est la seule attaque de distance que j'ai de lui, pour lui. Ok, bon. Au moins, il refait ça. Comme je dis, il est pas difficile, mais il y a une... Il faut vraiment qu'on se concentre, donc c'est pour ça que je résume peut-être très mal. Je vais essayer de le résumer mieux quand on va être plus posé. Donc ça veut dire avec la partie de Riku sûrement qu'on va avoir à finir, vu que c'est pas un petit peu... C'est pas comme bébé. BBS, l'histoire, donc bon. Allez, plasma trip. Ça. Ballon. Je fais des spams d'attaque, c'est horrible. Ah non, là, ça me servira à rien, Aquilon. Allez, Aquilon. Waouh, on est... Bon, quand même pas si mal. Un petit soin. Vraiment, il faut se surveiller quand même. Bon. Oh merde, il m'a mis dans une boîte. Ok, bon. Une chose qu'il y a la fluidité qui aide. J'ai été vu. Voilà. Plasma trip. Non, par ici. Par ici. Dégage. Ballon. 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 Parfait. Un petit soin. Pardonnez-moi si je dis toutes mes commandes. C'est peut-être pas le truc le plus palpitant non plus. Allez, on est rendu à ça. Allez, on va l'avoir, c'est sûr. Allez, on a ces menaces. Allez, éloigne-toi. Allez, oh oui. Oh, on l'a eu. Pfiou, mes aspects ont augmenté, donc ça doit pas être la fin, je pense pas. Ah, on l'a eu. Ok, c'est cool. On a battu Zemnas, il était pas si difficile que ça, mine de rien, on s'est bien entraîné, je trouve. C'est juste que j'étais un petit peu pas concentré la première fois, parce que je résumais. Et on a eu le saut du dissident. Donc ça nous résume sûrement le... C'est quoi? Mais je sais pas trop c'est quoi. À comparer des rapports d'ensemble, je trouve ça vraiment inutile et glossaire. Si on a tout suivi les cases. You again. You just make it too easy.
I know you think you've won, but you lost the moment you dived this far in. You're in the deepest pit of slumber, and you've worn yourself down to nothing. There's no returning to the world above. What do you mean? We told you. It was not the sleeping keyholes that guided you. They are not the reason you are here. You've been on a path, one we laid out for you. That sigil on your chest is the proof. What? See, that sigil, the X, it tells us where you are at all times. You had wondered aloud before why we kept showing up where you were. It's because we need you, Sora. Or, to be more precise, we need what will be left of you. The 13th Dark Vessel. Why? Why was it assured you would come here today? Because I followed my destined path, and I'm here looking at you right now. You can move through time, but time itself is immovable. Today, all of my selves throughout time were meant to gather here. And to welcome you, Sora, as our 13th member. These facts cannot be changed. What's gonna happen? I have now told you all that I know. We are all here, and what the future holds in store is beyond my sight. I will return to my own time and grow into the man who becomes all these others. While I know this future now that I have lived it, returning to my own time will erase the memories and experiences I have gained here. Still, my appointed path is now etched in my heart, which will first lead me to seek the outside world. Riku. Your heart will sleep forever in the folds of darkness, and your body will be another vessel for me. So light gives way to darkness. Good night, Sora. Glossaire lié à Sora. Bon, il doit parler des cœurs qui sont liés à Sora. Puis, est-ce qu'on a terminé Sora? Non. Oui! On a déjà terminé avec Sora. Ok, je pensais que Xamnas, il y aurait d'autres phases, mais non. Bref, on a terminé avec Sora pour aujourd'hui. On va tout simplement sauvegarder et s'arrêter là, avec Riku. Puis la prochaine fois, ça va sûrement être un gros épisode, parce que ça va être l'épisode final. Je vais essayer de vous résumer. On a eu beaucoup de l'eau. On a appris que la croix qu'il y a sur le torse de Sora était tout simplement une balise pour l'organisation.
L'organisation voulait tout simplement, comment dire, je sais pas si on était dans un, en quelque sorte dans un rêve en moitié ou en moitié réveillé, parce qu'on avait les tenues la tenue de base. On veut juste enlever Sera parce que voilà, on a défié le groupe, vu que j'aime beaucoup Miaou Zesté. Est-ce que c'est quoi? Sujet, verbe, complément. Allez, t'es capable. Non, est-ce que c'est... Bon, bientôt. Ça, je m'en fous. Est-ce qu'ils vont utiliser... Ça, j'ai compris ça. Ils vont utiliser Sora comme 13e réceptacle. Donc, le 13e membre de l'organe. Adieu, Redis. Adieu. Bref, il ne me poussera plus. Bref, c'est ça que j'ai compris. Donc, Sora, ça serait le 13e réceptacle. Puis, comme qu'a dit ses amis, c'est son pouvoir. Donc, c'est à cause de lui qu'il a la Keyblade, sinon il l'aurait pas. On a vu Aqua, Terra, Ventus, ça fait grave plaisir. Je peux pas le dire, je peux pas... Je sais pas, ça me fait grave... Saut au cœur de les revoir. Et puis, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est ça, on a bientôt terminé le LP. Je sais pas si le process va être le dernier, je pense que oui. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec Sora. Je croyais vraiment que c'était pas encore fini avec Sora, mais oui, c'est fini. Puis qu'est-ce qu'on a eu d'autre aussi? Ouais, que Zigbar, c'était en fait une... Ben, Break, je crois qu'il s'appelle maintenant. Qui était en fait partiellement Xehanort, on l'a vu avec son petit œil jaune. Puis c'est ça, ça devient what the fuck. Puis c'est ça, puis on a appris aussi que l'organisation avait tout tracé le chemin de Sora pour le guider ici, pour être le 13e réceptacle. On a appris aussi que le Xehanort qu'on a vu, en fait c'est pas Terranort, c'est Xehanort. Vous savez où qui passerait parce qu'il était dans le futur, ils ont voyagé dans le temps, c'était un petit peu what the fuck, c'est pas trop suivi. C'est vraiment bizarre comme casse, c'est rendu là, c'est vraiment what the fuck. Puis il y a eu l'armure de Ventus qui a sauvé Sora dans les ténèbres. Je me demande qu'est-ce qui va se passer, tout simplement. Donc voilà, en espérant que cet épisode vous ait plu. Donc on a plus la zone de passage, ça c'est vraiment cool, ça va me détendre pour le boss final, ça va être vraiment parfait. Bref, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu qui fait plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas à commenter pour des trucs, des astuces, on est rendu à la fin. N'hésitez pas à vous abonner pour des... tu vas me faire sortir, non, je veux pas. Pour pas me manquer les prochains let's play, le live ZMV que je pense faire. Je sais pas encore quand. Il faut vraiment vous le dire, je sais pas encore quand. Je vais demander à certaines personnes si elles veulent être présentes parce que... C'est l'été, donc il y a beaucoup de personnes qui sont en vacances, donc je vais essayer d'arranger pour que tout le monde puisse le voir, évidemment. Puis c'est ça. Puis en attendant, moi je vous dis, portez-vous bien, amusez-vous bien surtout, et bye tout le monde. Allez, bye bye!